Nous sommes jeudi et j'ai encore rien du tout pour mon vlog de la semaine. Pardon, mais c'est parce que en fait tout ce que j'ai filmé au début de la semaine, ça ne me plaisait pas, donc j'ai supprimé parce que j'avais pas envie de mettre des trucs qui me plaisaient pas sur YouTube. Et en plus, j'ai pas lu énormément jusqu'à présent. J'ai avancé Promise of Blood de Brian McClellan un tout petit peu, j'en suis au chapitre 4 et pour l'instant je comprends pas grand-chose parce que au début il y a beaucoup d'informations qu'il faut digérer et tout ça. Et à part ce livre-là, je sais pas. Enfin, je suis toujours en train de lire Du côté de Guermantes et je suis toujours en train de lire How to be an anti-racist. Mais je voulais aussi un truc un peu plus facile à lire en même temps. Et je ne sais pas quoi choisir comme livre un peu plus facile à lire en même temps. Et aujourd'hui vient de se rajouter un livre secret. Parce qu'en fait, c'est un livre pour lequel je reçois beaucoup de pression pour le lire. Beaucoup de... Peer pressure. Parce que sur les Discord littéraires où je suis, on me dit il faut lire, il faut lire, il faut lire ce livre-là. Et du coup, j'ai décidé de le lire en secret pour pas pour qu'on me foute la paix en fait. Donc, je vais peut-être le lire en ce moment, même si c'est pas une lecture facile non plus, mais du coup, je vais avoir que des lectures difficiles en ce moment. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais me faire un read-a-thon tout l'après-midi et je vais lire mon livre secret. Chez ma maman depuis hier soir et du coup je pense que j'ai pas beaucoup de séquences pour mon vlog jusqu'à présent, mais c'est pas très grave, ce sera un vlog un petit peu plus petit que d'habitude, c'est pas très grave. Mais là du coup
Je vais aller lire dehors, mais je filme juste ce petit segment-là pour vous le dire à l'intérieur parce qu'il y a le voisin dehors, du coup j'ai peur qu'il m'entende. Et du coup, voilà. Et voilà, ça va être un bon week-end et puis je vais essayer de lire le plus possible parce que maintenant j'ai une deadline à respecter pour des raisons que j'expliquerai. Moi, que je vais vous expliquer maintenant en fait, parce que c'est pas. Il n'y a pas trop de raisons que de garder ça secret, mais en gros, j'ai décidé de créer un club de lecture dans ma ville, dans un salon de thé associatif de ma ville. Et du coup, ben, il faut que je lise un livre pour pouvoir le présenter avant le 26 juillet. Et j'ai très très hâte et je suis très excitée de d'animer un book club. Ce sera la toute première fois que je vais faire ça. Donc, je vous dirai comment ça se passera. Du coup, je suis de nouveau chez moi. J'ai lu 50 pages hier dans mon readathon parce que. En fait, j'ai pas lu du tout toute l'après-midi. J'ai juste lu 2 heures, je crois. En faisant des pauses pour écouter de la musique. Enfin, bref, du coup, j'ai lu 50 pages, mais ça va, je suis contente parce que je me dis que si je lis 50 pages tous les jours, je vais pouvoir finir mon livre qui fait 900 pages à temps pour la première rencontre de mon club de lecture, ce qui est mon but parce que j'ai envie de parler de ce livre-là pour mon club de lecture. En fait, c'est Fils des brumes de Brandon Sanderson. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, du coup, je suis toujours en train d'essayer de faire de la communication pour mon club de lecture et tout ça. Et j'ai trop peur, en fait, que les gens ne viennent pas et que ça ne marche pas et que les gens soient tous en vacances et que ils soient pas là et qu'ils viennent pas. Ça m'angoisse.